vision. L'Afrique est un grand continent qui fait partie du monde. Enfant m'a nourri, moi je dirais non, 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 non. Enfant soldat, je dirais toujours non, non, non. Moi c'est un grand combat, et Dieu dévoile ma fierté, ma dignité, mon honneur et tout ça sans mensonger. La vie de l'enfant des pays. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eritor, votre homme serviteur. Est-ce que les fans de Ferreira sont présents? Est-ce que les fans du groupe Zouglou, les VDA, sont aussi présents? Parce que j'ai envie de prêcher sur ces deux artistes-là. Parce que ces deux artistes-là ont deux gros concerts qui malheureusement tombent à la même date et dans le même lieu. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. Au début, je pensais que il y avait un problème sur les affiches. Soit les organisateurs du concert des VDA s'étaient trompés ou celui de Ferreira s'était trompé. Mais apparemment, il n'y a aucune chose... Comment on dit ça? Heureux, il n'y a aucune erreur, donc c'est de ça qu'on va parler. Donc j'ai besoin de vous en commentaire, j'ai besoin d'avoir vos avis aussi face à cette situation-là en commentaire. Est-ce parce qu'on a envie de boycotter l'un des deux concerts? La question reste posée. Voilà, j'ai besoin de vous en commentaire. Commentez énormément si ma réaction vous plaît. Likez la vidéo et surtout partagez-la. Voilà, c'est le 13 février et on en parle maintenant. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu. Bon retour, chers abonnés, bon retour. C'est toujours votre homme serviteur Eritor. En tout cas, merci infiniment à toutes ces personnes qui vont donner de la force à la reine Yo. Son lien est toujours dans la description. Allez, 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 continuez à écouter. Amenez-la rapidement à 2000 vues. Et je compte vraiment sur vous pour son clip qui arrive très bientôt. Elle a besoin de vos partages, elle a besoin de vos partages, elle a besoin de vos partages. Likez surtout son contenu et puis aidez-la à aider les autres parce que c'est à but humanitaire, c'est à but non lucratif. Donc il faut vraiment lui donner de la force. Merci aussi à toutes ces personnes qui passent leurs commandes concernant le livre de Maître Balaki. Je vous le recommande depuis vous jouez. Après vous allez vous mordre les doigts. Le livre est toujours disponible en librairie. Éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Voilà, c'est le titre de l'œuvre. Et je vous exhorte, je vous invite vraiment à la voir. Je vous invite vraiment, vraiment à la voir. Voilà. Des personnes ont fait confiance à votre même serviteur et toi que je suis. Démontrez-leur que quand je vous parle, vous m'écoutez. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube de la Reine Yoz. Encouragez-la. Voilà, parce qu'elle fait beaucoup dans le social et il faut l'encourager. Maintenant, on va parler de VDA et de Ferreira et de leur concert. Voilà, la vidéo peut maintenant débuter. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ok. En fait, avant que je me prononce réellement sur le fond de cette vidéo-là, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour réagir sur un problème récurrent que je vois sur les réseaux sociaux, des plaintes qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Vous savez, il faut maintenant qu'on arrête de dire qu'on valorise l'extérieur et ou bien on veut boycotter nos artistes. Non, ça n'a rien à voir. Je vous explique un truc. C'est vrai que j'écoute le Zouglou, c'est vrai que j'écoute la rumba, mais de ces deux genres musicaux-là, j'ai ma préférence. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête d'abord. J'ai ma préférence. Donc, si dans ma préférence, les artistes de Zouglou que je préfère, le groupe VDA y est compté parmi, s'il y a un concert, bien sûr que je vais choisir le concert Zouglou parce que d'abord, j'aime le Zouglou et j'aime VDA. Mais, si j'aime par exemple la rumba, pas de problème, bien que j'aime bien la musique des VDA, mais que je suis furieux de rumba, je vais courir pour aller, on va dire, au concert de Ferreira. Donc, je vous demande pardon. De la même manière que ces stars-là viennent ici, et puis nous les accueillons bien, c'est comme ça que nos stars vont dans leur pays. On les accueille bien aussi. Et souvent, nos stars font des concerts à des prix très chers aussi là-bas. C'est ce qu'il faut savoir en fait. Donc arrêtez de faire cette xénophobie culturelle-là. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne serai jamais d'accord avec ça. Comme souvent, vous payez et on vous dit que chacun a son public. Ce n'est pas faux. Voilà, chacun a son public. Il y a des gens qui ne jouent que par la rumba. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'écoutent pas le Zouglou, bien le coupé décalé, bien le rap, ivoire. Mais les préférences, c'est la rumba. Par contre, il y a des gens qui ne jouent que par le Zouglou. Donc, quel que soit l'artiste rumba, quel que soit l'artiste R&B extérieur qui viendra, s'il y a un artiste Zouglou qui est en concert, lui ira au concert Zouglou parce qu'il aime bien le Zouglou quand il est en live. Donc, ce n'est pas ça le débat. Évitons ça. Mais le vrai problème, c'est ce que je vais soulever maintenant. On est d'accord? Il faut qu'on soit clair sur ce débat-là. Arrêtons de nous plaindre. Pour rien, sans fondement surtout. Voilà, parce que de la même manière que ces stars-là viennent ici, ramasser de l'argent comme vous le pensez, ou bien faire des shows, faire des concerts, c'est de la même manière aussi nos stars vont dans les pays et puis ils font des concerts. Voilà, donc c'est la culture africaine qui gagne. Arrêtons de nous plaindre pour rien. Voilà, arrêtons de nous plaindre pour rien. C'est pas là que nous devons nous plaindre, c'est pas là que devons nous choses taper sur la table. Voilà le débat que je vous donne.
Il y a concert, il y a le premier concert du groupe Zouglou VD à la Voix des Anges au Palais de la Culture à l'Esplanade. Et il y a le concert aussi de Ferro Gola au Palais de la Culture à la salle Anomambo. Mais ce qui me dérange, c'est que les deux concerts se font le même jour, à la même date et à pratiquement la même heure. Voilà ce qui, moi, me dérange en fait. On me dira que c'est dans la salle Anomambo et c'est à l'Esplanade, mais non. Quand tu es dans la salle Anomambo, qu'il n'y a pas de concert, qu'il y a un concert à l'Esplanade, chose du Palais de la Culture, tu entends carrément tout le concert. Donc je ne peux pas concevoir que des responsables du Palais de la Culture puissent jumeler ces deux concerts à la même date. Voilà le problème. Voilà le problème. Le problème, ce ne sont pas les organisateurs, le problème, ce ne sont pas les artistes. Mais je pense que la première responsabilité revient à celle des responsables du Palais de la Culture qui doivent imposer par moment que, par exemple, Ferro Gola était là avant vous pour la date du 13. Donc, nous vous prions de mettre votre date à la date du 14 dimanche ou bien à une autre date ultérieure. Mais pas forcément imposer les deux dates là, les deux concerts à la même date. C'est là que vous devez vous plaindre. C'est là que vous devez dire, c'est une façon de boycotter le concert de Ferro Gola ou bien de boycotter le concert des groupes, les VDA. Sachant bien que le groupe, les VDA, c'est leur tout premier concert. Voilà ce qui, moi, me dérange, en fait. Et j'aimerais bien que mes abonnés que vous êtes, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là, la partager au maximum pour interpeller un peu les responsables du Palais de la Culture. Parce que c'est vrai qu'on cherche de l'argent pour remplir les caisses de l'État, mais souvent, il faut avoir de la responsabilité il faut avoir aussi le sens de l'organisation. Jumeler deux concerts à la même date, soi-disant, il y a un concert qui se passe à l'Esplanade du Palais de la Culture et un autre qui se passe à la salle de Mambo, ça ne tient pas parce que ce n'est pas le même genre musical. Le même genre musical, excusez-moi. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, je trouve ça bizarre d'aller dans un lieu où je sais, par exemple, que je préfère bien aussi la rumba de Ferro Gola. Et puis, je suis en train de suivre le groupe VDA pendant que je sais que juste à côté, juste à quelques mètres, il y a un concert de Ferro Gola et c'est de la rumba. Les deux concerts pouvaient se faire à la même date à deux lieux différents. Peut-être à l'Ivoire Golf Club ou à l'Esplanade, truc du grand terrain de l'université, Félix Oboyen de Cocody. C'était convenable, c'était compréhensif. Mais faire deux concerts le 13 février dans le même palais de la culture, je pense que c'est un peu déplacé, un peu bizarre. C'est même pas les salles de 1000 ou 1500 places tout fermées du palais de la culture, mais c'est la salle Anomambo. La salle Anomambo n'est pas une salle aussi fermée que vous le pensez. C'est une salle qui est quand même aérée, qui est quand même ouverte. Donc le son peut fuir. De la même manière que le son de trucs, le groupe, les VDA aussi peut fuir. Imaginons que l'un des deux concerts a le matos le plus puissant. Ça risque de créer une bouillamini, ça risque de créer un désordre. Vous imaginez, la grande entrée du Palais de la Culture, on la connaît tous, c'est une seule entrée. Donc le matin, il y a des fans du groupe Les VDA qui vont venir s'arrêter devant l'entrée du Palais de la Culture. Il y a des fans aussi du groupe de l'artiste Ferro Gola qui vont venir s'arrêter devant le Palais de la Culture. Soi-disant, ils vont à des concerts distincts. Ça répond à quoi en fait? À la limite, c'est vraiment pas sage de la part des responsables du Palais de la Culture et aussi de la part des promoteurs. Parce que je sais aussi que ces promoteurs-là ont voulu forcer les choses à vouloir mettre la date de leur concert le samedi. 13 février, obligatoirement. Maintenant, la question qui reste posée aux responsables du Palais de la Culture, la seule manière que vous pouviez résoudre ce problème-là plus tôt, c'était de maintenir celui qui est venu vous voir en premier pour la date du 13 février et reporter celui qui est venu vous voir en deuxième à une date ultérieure ou bien soit le renvoyer dans une autre chose, dans un autre point. Parce que c'est vrai, plus qu'il y a des concerts, plus vous gagnez, mais c'est pas joli. Ça sera vraiment du désordre. Je l'ai dit aujourd'hui, si ces personnes maintiennent ces deux dates-là, ça risque d'être même un fiasco pour l'un des deux concerts. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vrai que le groupe VDA a beaucoup de fans, ils sont beaucoup appréciés, mais c'est le tout premier concert. Et j'aimerais pas que ce soit un fiasco. J'aimerais pas que le concert de Ferro Gola à côté puisse boycotter le concert zouglotique des VDA. Parce que mine de rien, Ferro Gola, c'est une grosse pointure africaine de la musique africaine. Voilà. Il y a beaucoup de faisais de zouglou qui adorent, excusez-moi, la rumba de Ferro Gola. Donc, revoyez ça. Si vous pouvez régler le problème, vous le réglez. Si vous ne pouvez pas le régler, vous le laissez comme ça aussi. Au moins, j'en ai parlé. Voilà, j'ai besoin de vos avis en commentaire et puis partagez massivement la vidéo.